vouloir faire. Et il y a une prière spéciale pour les légionnaires qui unit tous les légionnaires du monde, en particulier du Sénégal. Et à une certaine heure, tous les légionnaires doivent réciter, doivent méditer cette prière. Et ce soir, nous ne devons pas échapper ou bien oublier de la vivre ici. Et c'est pour cela que j'appelle le président national de la commission des légionnaires. Je devais me placer là parce qu'il doit être à côté de la Vierge. Très bien. Magnificat. 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 Non, il n'a pas entendu. Magnificat. Oui, mon nom vraiment exact, le Seigneur. Merci à vous tous pour votre présence. Merci d'avoir bien voulu honorer la Vierge aujourd'hui à travers le chant choral. Vraiment un grand merci à vous tous. À présent, je vais vous inviter à vous lever et qu'on puisse prier la catena. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, telle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais pour les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ce le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble le bien des affamés, envoie les riches et même vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à ton père, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, qui a pris de la pierre généreuse sa mère, sois notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir par elle. Amen. Magnificat. Magnificat. Merci beaucoup. Cette prière qu'on vient juste de dire, c'est cette prière qu'on vous a donnée sur les petites enveloppes. Merci vraiment et continuons. Merci. Vos frères. Bravo, bravo. Mais n'oubliez pas une chose. Marie. Marie. Surtout ici au niveau de l'archidiocèse de Dakar. Représentée au niveau de la cathédrale Notre-Dame de Victoire. Il a choisi un archevêque qui est là au milieu. Donc c'est un jour là aussi. C'est un jour là aussi. Hein? Mais ce qui est bizarre, c'est que les religieuses sont là.
et religieuse, une grande dévotion à Marie comme modèle de foi. Et elles sont au niveau de cette branche-là. Une religieuse, c'est même le mot. Ça, ça a une nuance. Marie, j'ai envie d'appeler mes lignes de mots. Tout à l'heure, quand je parlais d'ici, les gens d'en haut commençaient à crier. Hier, tout le monde sait que Marie, elle a connu comme son fils une assomption. Donc c'est la montée. Donc on ne peut pas oublier en haut. Donc en haut, c'est l'Assomption. Donc finalement, je pense que être dans cette salle, c'est la meilleure place que les catholiques de Dakar peuvent être ce soir. Amen. C'est ici. Parce que grâce à vous, vous êtes en train d'intercéder pour toute la communauté des catholiques de Dakar et toute la communauté des chrétiens du Sénégal. Et merci pour cela. Grâce à cette armée de légionnaires, avec leur art, je suis proche du ministère de l'Intérieur. Mais personne ne va m'interpeller. Parce que nous, notre arme, c'est le chapelet. Ça, c'est l'arme de la paix. Et ce soir, cette arme, elle est là, présente. Et Marie, elle est passée. Elle passe. Elle écoute. Et après, elle va parler à Jésus. C'est pour cela, ce soir, Jésus, il a qu'à rester tranquille. On ne va même pas l'appeler. Mais on va parler à sa mère. Et comme à Cana, on sait ce qu'elle a dit à son fils. Et c'est quoi? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit au serviteur devant son fils à Cana? Et puisque je suis là, je suis venu parler à Marie pour qu'elle commence. Donc tout ce que je vais vous dire là, vous devez le faire. Et là, je vous demande des acclamations pour la parole qui va venir.
Nous allons danser. Allah, il est digne, et
Nous l'appelons l'étoile du matin, parce qu'elle est l'astre qui révèle le soleil. On l'appelle la cité de Dieu. On l'appelle le miroir sans tache, l'arche de la nouvelle alliance. Paix et joie. Paix et joie. Que Dieu vous bénisse. C'est une très très grande joie et un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Merci pour l'occasion. Légionnaires de Marie, que Dieu vous bénisse. Vous faites un travail considérable pour la gloire de Dieu. Je voudrais juste faire un clin d'œil à la jeunesse pour vous rappeler que la Légion de Marie, c'est pas pour les mémés, c'est pas pour les vieilles personnes. Le Seigneur a besoin de nouveaux types de saints. Des saints en casquette et jeans. Amen. Des saints 2.0. Je voudrais saluer toute l'assemblée et saluer nos papas qui nous ont précédés dans la mission. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les bergers que vous êtes pour nous. Je vais prendre qui n'était pas forcément agréable ou facile à comprendre. Elle était jeune. Elle avait une idée de ce qu'elle voulait faire de sa vie. Et du jour au lendemain, ses plans ont changé. Et je me vois au travers de Marie parce que je suis aussi entrepreneur dans la vie et parfois je fais mon business plan, j'ai des prévisions et le Seigneur décide que ça se passe autrement. Et Maman Marie est l'exemple le plus parfait pour nous apprendre qu'il y a un mystère et des grâces qui accompagnent l'obéissance. Son oui nous a valu le Rédempteur et je voudrais qu'on acclame encore le Seigneur Jésus. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est ce les musiciens et le chœur, on patiente un peu, ok. Parce que le chant que nous allons prendre, il faut enlever les coquettes, il faut se mettre debout, il faut sortir sur les artères pour montrer à Marie que nous connaissons sa valeur, que nous l'aimons et que ce jour lui est dédié. Amen. Le chant même est en volant. On va l'apprendre en attendant. Une phrase, elle est longue, mais c'est une phrase. Maria Malingeru Lingeri. On peut applaudir. Voyez Maria Malingeru Lingeri. Voyez Maria Ma. Maria Malingeru Lingeri. Voyez Maria Malingeru Lingeri. Voyez Maria Ma. Thank you.
Oh,
lors du confinement. Moi, je fais partie d'une grande communauté d'évangélisation. Grande en nombre et grande aussi parce que Dieu a béni la communauté Jeune Espérance. Et à Jeune Espérance, j'y suis arrivée, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'ai bientôt 29 ans. Et j'y ai rencontré le Saint-Esprit. En fait, je ne le connaissais pas. J'entendais parler de lui, mais je ne l'avais pas vraiment expérimenté parce que je n'avais pas conscience de lui. Le Seigneur m'a donné d'expérimenter l'intériorité. Et il a ouvert mon esprit sur le ministère individuel qu'il m'avait confié. Il m'a dit de lui vendre profond. Et quand j'ai accepté de l'écouter, il a mis dans mon cœur un chant. Et je priais pour qu'il me donne un chant qui me corresponde. J'étais très vraiment coupée. Moi, je demande au Seigneur de me donner un chant qui me correspond. Alors qu'il m'a dit de chanter pour sa gloire. Ça, c'est compliqué. Et j'ai dit au Seigneur, je veux que ce chant soit une présentation pour moi, qui vient d'arriver dans cette évangélisation individuellement. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ce chant doit être plus grand que moi, ne doit pas juste me correspondre. Tout le monde doit se retrouver dans ce chant. Et il m'a donné enfant de Dieu. Enfant de Dieu parce que c'est ce que nous partageons, c'est ce que nous avons le plus en commun. C'est notre nature d'enfant de Dieu. Amen. Si certains le connaissent, on va le prendre ensemble. Et le chant dit, je suis un enfant de Dieu, co-héritier du royaume des cieux. Je suis un image du Dieu tout-puissant. Son sang coule dans mes veines. Je suis un enfant de Dieu. Fait de la terre et lumière du monde. Je suis un main du Dieu créateur. Son souffle me redonne la vie. Tu es mon père, mon véritable ami. En toi j'ai mon salut. Par Emmanuel, tu es mon sauveur. Mon roi, mon appui. En toi j'ai la victoire. Tu m'as sauvé. Vous aimez tellement l'ambiance de la salle, j'ai dit des applaudissements plus tard pour la référence.
a dit enfant de Dieu. Nous sommes d'accord, il n'y a rien à dire. Mais ce soir, il faudrait qu'elle me chante en direct, en exclusivité. Fille de Marie. Merci à vous, cher public, vraiment, de plus en plus, en faisant ma méditation, pour vous regarder, je vois de plus en plus le nom de Marie sur vos lèvres. Merci, vraiment, le public, il est magnifique. Derrière, et comme l'Esprit Saint nous inspire, Denise a dit, Marie, c'est bon, c'est revenu. Denise a dit tout à l'heure que durant Covid, elle a reçu cette inspiration. Mais durant Covid aussi, nous avons vu des prêtres qui ont été inspirés par Marie. Je reprends le terme. Ces prêtres ont été inspirés par Marie et durant Covid, ils se sont rassemblés. Et ils jouent des instruments et rendent grâce à Dieu. Et ce soir, grâce à la légende de Marie, nous avons reçu ce cœur de prêtre. Leur nom, c'est Melchisedec, le grand prêtre de l'Alliance. Et ils sont là présents. Et en exclusivité. Parce que, à part les réseaux sociaux, je ne pense pas. Je ne les ai pas vus prester autre part. Et ce soir, la légende de Marie vous offre cela. Ce soir, Marie vous offre cela. Est-ce que cela ne mérite pas des applaudissements? Et il faudrait qu'on les encourage. Parce que je pense qu'au Sénégal, on a déjà vu une chorale des séminaristes. On a déjà vu une chorale des moines. Mais un cœur de prêtre, je pense que ce soir, devant leur archevêque, ils vont recevoir l'onction. Je pense qu'à partir de ce soir, ce cœur de prêtre dénommé Melchisedec, nous allons les entendre partout. Car Marie a déjà commencé à faire une promotion. Déjà, vous êtes en train de les applaudir avant que je le demande. Et là, je viens de le demander. Et je vous prie de les acclamer, s'il vous plaît. De les acclamer encore, s'il vous plaît. Merci pour votre bienveillance. Je vais regarder pour vous s'ils sont déjà prêts. Parce que ce sont des prêtres. Avant que la messe ne commence, il faudrait d'abord que les fidèles viennent. Vous êtes là, non? Il faudrait que les membres du service d'ordre de l'église préparent le terrain, n'est-ce pas? Et moi, puisque je suis habillé en. C'est pas si vous avez raté. J'ai parlé de prêtre, j'ai parlé de messe. Merci, enfant de cœur. Vraiment, vous suivez dans le cœur.
vous allez prendre. Je ne vous pousse pas. Marie a besoin de soldats. Ici au Sénégal. Attention, vous parlez devant l'archevêque. Il a une mission qui est là, qui peut noter les noms. Et il compte sur vous. Pour que la liturgie, pour que les recommandations de l'Église puissent être observées par les catholiques de l'archidiocèse. Je suis en train de travailler pour lui, n'est-ce pas? Vous confirmez? Et à présent, la messe peut commencer. On peut ouvrir les rideaux. L'enfant de cœur est déjà devant. Il va guider les prêtres vers l'autel et ils vont venir rencontrer les fidèles. Vous avez vu? Maria m'a offert pour cela.
que ramène de femme que Sadou Abinassi, Sadou Abinassi, de Fadiga Tichoba, Zambia, la Faden, Wapamoto, Niro Akum, Irkita Tibo. Thank you.
Peut-être que pour l'année prochaine, on va avoir un cœur de... Sœur.
je n'ai rien dit. Très bien. Il faudrait que ce genre d'initiative puisse être dans l'église. Des prêtres qui font l'homélie et derrière chantent l'homélie. C'est bon? Nous allons accueillir. Tout à l'heure, j'ai dit, Marie vous a invité. Mais Saint-Joseph a tout fait pour être là. D'abord, le prêtre de sa paroisse est là. Abbé Gérard, je vous salue. Mais il y a la chorale Saint-Julien et Marie. Et je pense que désormais, si nous voulons inviter la Sainte Famille, c'est simple. Vous donnez la carte d'invitation à Marie, Jésus et Joseph les Kaitop, parce que Christ roi, nous le vit, les rois Saint-Joseph, nous le sommes. Vous pouvez les acclamer, s'il vous plaît.
tous. Voilà, nous allons chanter tout à l'heure un chant qui nous vient du Bénin du Togo. C'est en langue Mina, ou Dobena ou Maria. Ensuite, un autre chant qui vient du Togo spécialement, mais c'est du Bénin. Awatine. Merci. Oh,
nous allons les accompagner avec des applaudissements à nos musiques. Nous continuons notre jubilé. Et là, je vais revenir un peu sur les parrains pour les remercier à nouveau. Monsieur Abid Léon Ngaï, qui est là présent, secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication. Merci pour votre participation.
Alors je veux vous élever à célébrer avec moi. On va se lever et on va essayer de glorifier le Seigneur ensemble. Marie, 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 Thank you.
finalement à me baisser, que je n'avais pas cité tout à l'heure. Il a été cité trois fois en un laps de temps. Et même le chiffre 3, c'est dans la liturgie. Thank you.
Yaki, Madame Noé, donc, d'où l'est-ce? Les grands trucs. Est-ce que vous permettez? Qu'on chante Jésus-Christ dans le Fujamba. Ok, c'est important. Est-ce qu'on peut avoir le son du jeu? Thank you.
il va célébrer 10 ans dans le ministère chant qu'il est en train de vivre. Et nous vous comprenons le 3 septembre au Grand Théâtre de Dakar pour célébrer ses 10 ans. En attendant, durant la marche jusque là-bas, vous, armés, n'oubliez pas votre arme, vous priez pour lui. Ouais, justement, c'est intéressant parce que le bis, on le fera le 3 septembre dans le Grand Théâtre National de Dakar. Je n'abuse pas, je te promets. Mais il est bon de le dire, faites chouma lirounerre. C'est parce que Mac Mondia petit Maghreb. Et je vous assure, vous n'imaginerez jamais le bien que vous nous ferez. Si toutefois cette même assemblée, qui a une information en temps réel, se retrouve au Grand Théâtre pour le 3 septembre prochain. Je ne suis absolument rien sans Dieu, mais je ne suis absolument rien sans vous. J'en profite pour lancer la perche à mon archevêque qui est ici présent, que je décrète et que je nomme. On ne lui laissera pas réfléchir, hein. Il dira oui, j'en suis convaincu. Il est le parrain de mes 10 ans. Quelle élégance de la part de Fulgence. Et il est habillé avec la représentation de la Vierge Noire. C'est ce qui nous manquait ce soir. C'est pour cela même qu'il a mis ça et il est venu incognito. Et c'était la dernière couleur qu'il fallait révéler. La liturgie. J'ai une inspiration au Esprit Saint. Derrière. Il y a la chorale légionnaire qui revient de plus belle. Mais lorsque cette chorale va exécuter les chants, devant, il y aura deux représentants de la Légion de Marie qui vont accueillir une quête. Cette quête, elle est spéciale parce que cette chorale que vous allez découvrir derrière et que vous avez déjà vue en ouverture, c'est une nouvelle trouvaille. Et ils ont commencé en 2022. Ces jeunes-là, les jeunes, ont commencé en 2022. Et qui dit chorale, ont forcément besoin. Ces gens-là, ils ont besoin d'instruments. Et grâce à cette quête, à votre générosité, que Marie, qui défait des nœuds, touche vos poches pour que vous puissiez venir devant, donner votre participation à cela. Et avec Marie, cela est possible. Mariana, yo ngi nek fi, ñu ngi lay ñaan do wax ak sa doom. Mu la poche. Thank you.
par l'archevêque pour qu'on puisse recevoir la bénédiction. D'abord, combien je salue toute cette assemblée avec joie et reconnaissance. Je souhaite un bon anniversaire à la Légion de Marie, 100 ans d'existence au niveau mondial, 70 ans au niveau du Sénégal, c'est formidable. Merci pour tout le travail qui a été fait. Quelle joie vous nous avez donné ce soir de sentir que la foi, ça se célèbre. Vous nous avez permis de célébrer la foi. Et comme si c'était une prophétie, dimanche en 8, nous allons clôturer l'année pastorale à la cathédrale. Et je suis censé annoncer les perspectives pour l'année pastorale qui vient. Et la Légion de Marie a bien anticipé. Parce que nous avons choisi de vivre l'année qui vient comme une année mariale. Sous le thème de la visitation, pouvoir dire avec Élisabeth, comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Il s'agit d'accueillir Marie dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos vies, parce qu'elle nous porte son enfant, comme elle l'a porté à Élisabeth. Avec elle, nous avons une maîtresse qui nous initie au mystère de la foi. Et ce sera aussi l'occasion de consolider notre foi dans le rôle irremplaçable de Marie dans l'histoire du salut. Celui qui n'a pas compris cela a encore du chemin à faire. Alors merci de nous avoir permis de célébrer tout cela et de nous mettre ainsi en appétit. Je crois que toutes les paroisses qui sont sous le patronage de la Vierge Marie, toutes les congrégations qui sont sous le patronage de la Vierge Marie, les petites communautés, et puis qui n'est pas enfant de Marie parmi nous? Nous sommes tous enfants de Marie. Je termine par une anecdote. L'ancien qui est là devant nous, là, devant moi, l'abbé Jacques Sec, je l'ai connu comme instituteur au petit séminaire de Ngazobi. Il venait de sortir de l'école normale et il enseignait là-bas. Il avait un slogan. Tout par Marie. Tout avec Marie. Rien sans Marie. Il est là aujourd'hui. Et là, au milieu des petits séminaristes que nous étions, que le virus de la vocation l'a pris, qu'il est parti après au séminaire de Arles pour reprendre les études secondaires, passer son baccalauréat, aller au grand séminaire de Sepikota, devenir prêtre, avoir été mon curé, vicaire général et tout. Bravo. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de toute miséricorde, de tout réconfort et de toute paix, par l'intercession de la Vierge Marie, fasse descendre sa bénédiction sur vous et vous garde à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez en paix avec votre mère chérie, la Vierge Marie. Amen. Par l'ensemble des chorales qui avaient défilé tout à l'heure.
l'action de grâce que nous avons reçue ce soir. En concert où nous allons chanter Marie et à la fin, nous avons reçu la bénédiction de notre Père, Monseigneur Benjamin Gallo. Merci à vous tous qui êtes là. Merci pour vos souvenirs, Marie. Merci pour votre engagement dans la Légion de Marie. Et je pense même qu'il y a une série en dansant Marie et à oublier ce lieu. Donc à la sortie, elle pourra s'approcher de la sonorisation pour récupérer cela. Et nous allons chanter Marie et rentrer avec Marie et que votre chemin soit doux comme le cœur de Marie. Merci à vous.
porte. Le prochain Oscar du chant choral, c'est le 14 mai 2023. Et, s'il vous plaît, merci. Merci de votre présence. Pour l'année pastorale qui vient, et la Légion de Marie a bien anticipé, parce que nous avons choisi l'année qui vient comme une année mariale. Amen. Sous le thème de la visitation, pouvoir dire avec Elisabeth comment est ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Il s'agit d'accueillir. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de toute miséricorde, de tout réconfort et de toute paix, par l'intercession de la Vierge Marie, fasse descendre sa bénédiction sur vous et vous garde à jamais. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez en paix avec votre mère chérie, la Vierge Marie. Amen. Et nous allons accueillir le chant final qui sera exécuté par l'ensemble des chorales qui avaient. Merci à vous tous qui êtes là. Merci pour vos sourires, Marie. Merci pour votre engagement dans la Légion de Marie. Et je pense même qu'il y a une série en dansant Marie. Elle a oublié ses lunettes. Donc à la sortie, elle pourra s'approcher de la sonorisation pour récupérer cela. Et nous allons. Sois doux comme le cœur de Marie. Merci à vous.